Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur l'élevage breton. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, direction la fauche. Hein. On va faucher l'herbe, on n'a pas fauché le dernier coup. Donc on est parti avec ça. Le tracteur, il est ici, hop. Alors j'ai baissé le temps. Que, vu qu'il neige, du coup je voulais faire une double fauche, mais on va faire une fauche simple. Parce qu'on va faire les bottes, parce que j'ai peur que les la neige qui se mette et qu'on soit foutu après. Alors là on est bon. Non, on n'est pas bon. Je croyais, mais en fait non. Voilà, là on est bon. Là on est ok, là on est ok et là on est ok. Donc direction le champ, bah les trois champs qu'on a sur la fauche. Là, on va s'occuper de ça. Alors je vais juste mettre, hop, ça, ça. Je vais augmenter la vitesse du tracteur. Il faut vraiment que ce soit fait assez vite. Tac, tac. Normalement, c'est bon. C'est good. Ah oui, c'est ça que je vais regarder. Je crois que j'ai fait une bêtise aussi. Il me semble. J'avais noté de. Épandre de l'engrais sur. Sur la prochaine vidéo, bah, celle d'avant que je fasse mon avance. Sauf que moi, comme j'ai avancé hors vidéo, je suis pas sûr d'avoir mis la deuxième dose d'engrais au niveau du champ de blé. Donc à mon avis, ça va être mort. Mince, j'en oublie, d'accord. Là on va essayer de se faire quand même pas mal d'avance hein, en bottes d'herbe, parce que avec de l'herbe en vrai on n'a pas fait énormément et j'ai toujours été un petit peu à court d'herbe. Et là maintenant qu'on a deux pâtures à moutons, il va en falloir. Il va en falloir un bon paquet. C'est pour ça aussi que j'ai racheté des champs hein, d'herbe, parce que forcément on a besoin. Bon, un de fait. Ah, celui-là, c'est bon aussi. Le petit deuxième. Là. Là, dès que l'hiver sera passé, on fera des doubles fauches. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. On aura un plus gros rendement. Et on va gagner du temps aussi. Mais c'est juste que là, j'ai peur qu'en fait, il y a de la neige qui apparaît. Si on a de la neige qui apparaît, bah. Je crois qu'on perd tout. On va perdre toute l'herbe qu'on a déjà fauché. Bah, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais essayé. Et par précaution. Par précaution, je préfère faire une seule fauche et ramasser aussitôt. Thank you.
Bon, après, c'est les chambres qui sont assez petites, donc c'est assez rapide à faire en soi. J'espère vraiment que il n'y a pas de d'herbe qui va de d'herbe neige qui va spawn là au moment qu'on va tout récolter, parce que sinon on est mal. Si elle arrive et qu'on a fait les bottes, c'est pas gênant. Parce qu'on va pas perdre nos bottes. Ah oui, c'est vrai, j'ai un bug aussi à cet endroit. En vrai, c'est une bonne map, avec quand même pas mal de petits bugs. C'est dommage, c'est que depuis la sortie, bah, il n'y a pas eu mise à jour, il n'y a rien eu de refait. Ça a été un petit peu laissé à l'abandon. C'est un peu dommage. Alors que, par exemple, cette map est pas mal jouée, parce que je vois, Stervio, il a commencé aussi une série, un petit moment qu'il a commencé dessus. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait pas mal de petits bugs comme ça. Forcément, moi je ne connais pas, donc je peux pas régler moi-même mes problèmes sur le jeu. Ah oui, là aussi il y a un truc, c'est vrai. Là, dans ce champ-là, il y a deux défauts. Là-bas, je sais pas pourquoi ça se met pas comme il faut. Et là, on a un truc. On a un trou qui est juste là. Normalement, on va tomber tout poil dedans. Ouais. Bon, bah, ça, c'est fait. Déjà, première petite chose qui est bien. Hop, hop, hop. On va chercher le petit temps d'honneur. Ah, ça aurait été ouais, non. J'allais dire, ça aurait été le bon moment peut-être pour changer l'enseigneur. Mince. Qu'est-ce qu'ils ont dans l'enseigneur là? Hop. Sinon, on a celui-là. Moi, c'est celui-là que je voudrais. Celui-là, c'est celui que je préfère. Mais bon, en 100 000 balles, quoi. Là, en vrai, on l'a jamais pris. Non, j'ai jamais pris celui-là. C'est vrai que moi je suis un grand fan de celui-là. Je le vendrais combien le 12 000. On va se faire un petit kiff et on va se l'acheter. Moi je suis pas trop fan des autres, celui-là j'adore. Alors, toi on va te ranger. Déjà, première petite chose. Alors là je sais pas quoi le ranger, je vous dis. J'ai l'impression de galérer plus qu'avant, au début que quand j'ai remis mon volant pour la marche arrière. Je galère un peu. Hop. On va chercher. Enfin, on va vendre l'enduner et on va faire ramener l'autre. Alors, tac. En 12 000, ça nous fait acheter l'autre à 100 000, 100 000 balles. C'est vrai que moi je peux faire largement celui-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours préféré celui-là, honnêtement. C'est le plus cher, mais je trouve mieux. Mais... Je le trouve nettement mieux. On va voir qu'on le mette par contre, c'est alors non, c'est pas à gauche. Déployer. Alors quoi, faut que j'attende qu'il soit machiné. Déployer. Là, normalement, je vais pouvoir régler pour mettre ça au milieu.
Voilà, contrôle Y. Hop, milieu. Ça, on enlève, on active ça. Du coup, bah, l'avantage, c'est qu'il y a du coup les... Est-ce que les plus grands de temps d'ailleurs qu'on avait déjà? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Ça doit être quasiment identique. Ouais, ça doit être quasiment identique, je pense. Ah non, 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 il est plus grand, c'est sûr. Il est nettement plus grand, c'est sûr. Je faisais plus de passages que ça avec l'autre. Je crois. Hop. Oh, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. L'autre, c'est un combien? Mètre, vas-y, on gagne 1 mètre. Celui-là, il est 1 mètre plus grand. Oh non. Et bah si ça a touché. On a touché. Je sais pas pourquoi je suis parti de ce sens-là. J'aurais pu faire tout droit directement, ça aurait été plus simple. Est-ce que... Ouais. Oh si, on va tout prendre. On va tout prendre d'un coup. Voilà. Le deuxième effet. Place au troisième. Hop là. Forcément.
Ah, c'est la base, du coup, ça pose des problèmes ici. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Je ne sais pas. Que ça a bien marché ou pas? Je pense pas. Celle-là fait. Celle-là fait, celle-là fait, celle-là fait. Allez, go! Petite presse maintenant. Et ouais, si on va même avoir le temps de ranger les boîtes. Alors ça, si c'est pas beau, c'est impeccable. Elle était où? Elle était là-bas, non? Je sais plus où elle était. L'autre, je sais plus où que j'avais stocké. Ce n'est pas grave. On va la mettre là en attendant. On va la mettre de biais. De façon à essayer de pouvoir prendre. On est bien? On est bien. Ça passe. Allez, go. Une botte de fête. Bon, ça va être énorme. On a 5, je pense que 5 on serait bien. Je pense pas qu'on va en faire plus. Au pire, allez, 8. Ouais, 5. Ouais, peut-être 8 au pire des cas. Ça m'étonne. Ah si, il y en a deux tombés là, non? Ouais, il y en a deux tombés ici. Ah, si on peut peut-être avoir 8, ouais, 7 bots quand même. Je pense. Là, il y en a 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ouais, si, peut-être 8, 9 quand même. Oh non!
j'ai eu la chance, vous entendez pas l'avion sur la vidéo. J'ai beaucoup de chance. Non, c'est séché. Non mais sont vus comme ça, c'est plus simple. Quand c'est que d'une droite, juste pour les virages, je fais attention, histoire de m'oublier le moins possible. Vraiment, je vais même pas me faire chier pour le plateau. Le stockage est juste à côté. Je vais venir directement avec le Manitou. Je vais pas m'embêter. Peut-être aussi bien. Voilà. Hop. Ça part. Le câble, ça enlève et ça amplifie. Je vais remettre le temps en x30, hein, maintenant que les bottes sont faites. T'as plus de risque. Allez, go. Ben, c'est quoi le délire? Oh, on a eu des bébés. Je savais pas qu'ils pouvaient refaire des 38. Ah ouais. Oh, c'est propre, regardez. Tellement beau. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et un retour. Oh, trop mignon. Oh, c'est chouette. Chouette. Du coup, on a trois boîtes ici. Oui, j'ai un pic autolodin. Je préfère comme ça me permet de bien ranger mes bottes. Bien comme il faut. Le mieux possible. Avant, je ramassais jamais les bottes, je mettais des bâtiments. Mais comme là, on a un truc qui est sorti, bah, comment dire que j'en ai profité. J'avais même pas vu qu'il était sorti en plus. Fortement, j'en profite. Alors, du coup, on a 6 bottes, 6, 9, ah, on a un peu plus. Oh. Où vas-tu? Pas pris de j'ai pas pris de ah, là-bas, on a qu'une seule botte. On a 10 bottes. Ouais, c'est ça, on a 10 bottes d'herbe en plus. Alors, c'est vraiment pas énorme. Hein. Là, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'herbe.
Dès qu'on peut, c'est tac, on y va direct. Sinon, on va avoir un problème, c'est qu'on va se retrouver à court d'herbe. Honnêtement, ça m'embêterait d'acheter de l'herbe. Non, je vais passer par là. Si la botte elle est par là normalement. On n'en a qu'une. Là-bas, non, il n'y en a pas d'autre. Là non plus. Et là non plus. Ok, ça c'est good. On va pas avoir le temps de faire autre chose. Là, on est toujours sur des veaux. Hein. Les poules, ils sont bien. Alors, niveau F, on est bien. Niveau, ouais, tout ça, là, on avait tout enlevé dernier coup. Bon, bah, nous, les amis, on va s'arrêter là. Ah, attendez, c'est ça que je voulais. Ah, bingo. Méchant de. Les deux champs de blé n'ont pas été faits. Le 1, c'est pareil, on peut le vendre, on s'en sert plus. C'est quoi le système? Ah, c'est une blé aussi, d'accord. Ok. Non, on s'en sort plus. Ah, y a même pas besoin de chaud pour mes champs de coton. Là, va falloir attendre 2 mois. Ok, super. Moi, nous, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et nous abonner. Ça compte rien, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.